Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Parmi les signes suivants, lequel ne fait pas partie des critères du diagnostic positif du myélome multiple symptomatique? L'hypercalcémie, l'hyperprotéinémie, l'anémie, la plasmocytose médulaire ou encore l'insuffisance rénale. Alors, faisons un petit récapitulatif sur les signes cliniques et paracliniques du myélome multiple. Cliniquement, on peut retrouver des manifestations osseuses et neurologiques. À la radiologie standard et à l'IRM, on retrouve des lacunes osseuses et des lésions ostéolytiques, focales ou diffuses. Point de vue hématologique, l'hémogramme montre une anémie dans 50% des cas. Le taux de blanc est normal et le taux de plaquettes est normal dans 70% des cas. Le frottis de sang montre des rouleaux érythrocytaires et sur le myélogramme, il existe un excès de plasmocytes pathologiques supérieur à 10%. L'étude des protéines dans le sang retrouve une accélération de la VS, une hyperprotéinémie et l'électrophorèse des protéines montre un pic monoclonal pointu en gamma ou en bêta. L'immunofixation précise la nature des chaînes lourdes et légères de ces immunoglobulines et le dosage pondéral des immunoglobulines précise l'importance de ce pic. Les free light chains montrent un déséquilibre du ratio kappa sur lambda. Et dans l'urine, on retrouve un pic monoclonal pointu. La protéine de vengeance, qui est une technique physico-chimique, a été largement remplacée par l'immunofixation, qui retrouve les mêmes chaînes légères retrouvées dans le sang. D'autres examens montre une élévation de la créatinine, témoignant d'une insuffisance rénale, une hypercalcémie, une hyperuricémie. Mais ce n'est pas tous ces signes qui sont présents chez le même malade. Alors en 2003, le International Myeloma Working Group a publié les critères de diagnostic positif du myélome multiple. Ces critères ont été mis à jour en novembre 2014 dans la revue de Lancet Oncologie. Et pour poser le diagnostic de myélome multiple symptomatique, il faut obligatoirement retrouver la plasmocytose, soit sur un myélogramme supérieur à 10% ou sur une biopsie osseuse ou encore sur un plasmocytome extramédulaire. À côté de cette plasmocytose, il faut avoir au moins un de ces événements lié au myélome multiple, soit un critère du crabe, ou une plasmocytose clonale supérieure à 60%, un ratio des chaînes légères sériques supérieur à 100, ou encore plus d'une lésion focale à l'IRM. Les signes du crabe traduisent des atteintes d'organes secondaires à une prolifération plasmocytaire. Et selon les nouveaux critères du crabe, l'hypercalcémie est définie par un taux de calcium sérique supérieur à 2,75 millimoles par litre, soit 11 mg par décilitre, ou une augmentation de la calcémie par au moins 0,25 millimoles par litre, soit 1 mg par décilitre, au-delà de la limite supérieure normale. L'insuffisance rénale est définie par une clairance de la créatinine inférieure à 40 ml par minute ou par une créatinine sérique supérieure à 117 micromoles par litre, soit supérieure à 20 mg par litre. L'anémie est considérée à partir d'un taux d'hémoglobine inférieur à 10 g par décilitre ou une diminution d'au moins 2 g par décilitre sous la limite inférieure de la normale. Et dernièrement, il faut retrouver au moins une lésion osseuse à la radiographie du squelette, le scanner ou encore le PET scan. Alors, en conclusion et pour répondre à notre QCM, il faut cocher les réponses A, C, D et E. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Il me reste à vous dire au revoir et merci.